Cette épidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Il y a une foule incontrôlable dans la rue, les bâtiments sont en feu. Les autorités se préparent pour plus d'émeutes ce soir. On assiste à des incendies, des affrontements. On a retrouvé un patient, le visage complètement défiguré. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du Midwest des États-Unis. Engagement, honnêteté et intégrité. Telles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporation. Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Cauchemar en pire. Plus que trois jours, et je dis adieu à cette ville. Un peu trop forcé.
Allô? Jill, est-ce que ça va? Brad, c'est toi? Écoute, sors vite de chez toi! Mais qu'est-ce que tu racontes? Pas le temps de t'expliquer! Va-t'en de chez toi! Tout de suite! Ok, je me prépare et je... J'en ai aucune idée. Mais il a une dent contre les deux membres du Stars encore en ville. Toi et moi. Je vais pas moisir J. T'as vu ce bordel? Si on reste là, je donne pas cher de notre peau. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les emmerdes n'arrivent jamais seules. C'est comme Harclay. Et Empire.
bas du parking. Parking. Ok. Monsieur, est-ce que ça va? N'approchez pas. Laissez-moi tranquille. Allez, vous avez entendu. L'hélicoptère va vous conduire en lieu sûr. Quel lieu sûr? Pas question que je sorte d'ici. Le parking n'est pas loin. Je peux vous y emmener. Le seul lieu sûr, c'est là-dedans. Monsieur, quel est votre nom? Je peux pas vous laisser ici. Dario Rosso. Ah ouais, je vois. Vous voulez voler ma plante, c'est ça? Débrouillez-vous, ma belle. Ma belle? Est-ce que vous pouvez vous calmer? Je suis officier de police. Je suis là pour vous aider. Ah bah ouais. Parlons-en du travail de la police. Vous voulez aider? Alors allez vous menotter à un de ces monstres. Monsieur, c'est votre dernière chance. Personne d'autre ne viendra vous aider. J'irai nulle part. Je préfère encore crever de faim ici, plutôt que d'être bouffé par ces morts vivants. Alors foutez-moi la paix. Ugh.
Tout va bien. Je suis là. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Moi, c'est Carlos. Je viens te sauver. Allez, on va se mettre à l'abri. On est en sécurité. J'espère. C'est là qu'on groupe les survivants. Où ça, là? Les gars ont converti des rames de métro en abri. Crains rien. C'est bon. Besoin d'espace, hein. C'est bon, j'ai compris. Allez. Ah, c'est pas vrai. Quel est le connard qui a fermé ça? Désolé, on va devoir faire le tour. Hé, qu'est-ce que tu sais sur ce monstre? Rien. J'ai jamais rien vu de semblable. Mais c'est pas un zombie. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. T'aimes pas ce genre de mec? Non, merci. Je te le laisse. Ah. Écoute, avec moi, tout va bien se passer. Je suis de l'UBCS, le groupe de lutte contre les menaces biologiques d'Umbrella. Tu te fous de moi? C'est une blague, c'est ça? C'est vous qui avez causé tout oh, ça? Du calme. Qu'est-ce que tu racontes? On est là pour aider la population. C'est quoi le problème avec Umbrella? C'est quoi le problème avec Umbrella? J'hallucine. Ta boîte est juste coupable d'avoir contaminé tout le monde, bordel! Ah ouais? C'est la première fois que j'entends ça. Écoute, t'es pas obligé de me croire. Mais moi, je vais à l'abri. Viens. Allez, c'est par là. Capitaine, cette charmante demoiselle a besoin de nous. Carlos, t'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, le Stars. Son nom, c'est quelque chose comme Valentine. C'est Jill. Ravi de te rencontrer, Jill. Je suis Mikhail Victor, chef de peloton de l'UBCS. Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Je vois. Et comment ça se passe? La ville est complètement coupée du monde, isolée. La grande majorité des 100 000 citoyens de la ville vont mourir. Enfin, façon de parler. Mon peloton a essuyé de sérieuses pertes. Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens, désormais. Bon ben, vous pouvez remercier votre employeur pour ça. Ouais. Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici. Si on réussissait à faire démarrer ce train, on pourrait évacuer quelques survivants. Mais on a besoin d'aide. Mes hommes n'y arriveront pas tout seuls. Très bien. J'en suis. Et je fais ça pour eux. Pas pour vous. Hé, hey, oh. On veut tous la même chose. Merci, Jim. Bon, super flic. Prends ça. Ça servira à rester en contact. Je sais ce que c'est, un Toki. Bon, faut pas perdre de temps. Va falloir t'équiper. Dirige-toi vers la sortie. Tu trouveras du matériel. Ok.
Carlos. Est sorti de la station? Presque. C'est quoi le plan, alors? Le vieux va charger de déblayer les voies. Est-ce que tu veux bien mettre le système du métro en route? Et comment je fais ça? D'abord, il faut rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris. Je me dépêche. Survivants. Faut qu'on fasse repartir ce métro. Principale. Faut que j'aille où? Tu vois une tour de transmission? C'est la sous-station. Tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre. Tu veux dire, celle qui est en feu? Peut-être. C'est pas de ma faute si ton regard de braise a encore fait des ravages. Va te faire voir. Faut que j'éteigne ça.
Doit être les bureaux de la compagnie de métro.